dans les jardins partagés du plateau de Haye, qui sont au pied de la tour des énergies. Le principe, c'est pouvoir faire bouger un petit peu la population qui habite. Il faut qu'ils aient un petit endroit où pouvoir jardiner. Tout est bio, hein. On n'utilise pas d'engrais chimiques, ni rien du tout. Hein. En 113, ça crée vraiment une convivialité dans le quartier. Hein. Quand j'étais arrivé, il y avait juste des grands immeubles et les habitants. Il y a des parcs pour enfants, il y a un parc de sport, des terrains de basket, des terrains de foot, il y a un peu de tout. Hein. C'est un quartier qui a de l'animation. Puis vous voyez, ils ont planté des arbres partout. Ça nous change un peu par rapport à ce qu'il y avait avant. J'ai vu changer le quartier en quelques années. A beaucoup changé et puis ça continue à changer. J'habite sur le plateau, dans un petit pavillon, marié avec 5 enfants. Et ça fait presque 9 ans que je suis sur le plateau. Depuis mon arrivée en 2013, c'est vrai qu'effectivement, le quartier a vraiment évolué. Il y a beaucoup de changements, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'associations, que ce soit des associations culturelles, que ce soit une association sportive, solidaire. En termes de convivialité, que ce soit des gens âgés ou que ce soit des jeunes, hein, il y a un certain respect. Il existe un espace de convivialité sur le plateau. C'est ce qu'on appelle la cuisine du plateau, un lieu de convivialité et d'échange. Pour les enfants aussi, il y a pas mal de choses. Ils vont bien s'éclater à la piscine, il y a le parc juste à côté. On se partage pas mal de choses. Mon voisin, dernièrement, il nous a invités à Noël. Ils ont fait du couscous, on leur donne du couscous. Ils font une tarte à pizza, ils nous donnent une tarte à pizza. Le plateau de Haye, c'est une très très grande famille en fait. On m'a présenté donc cette occasion de m'installer ici. Par rapport au quartier, voilà, ça m'a beaucoup plu, le cabinet, etc. aussi, et d'être installé avec des collègues. Donc voilà, je me suis installé ici il y a 5 ans. C'est un pôle très dynamique au niveau santé, qui est très recherché par les professionnels de santé, parce qu'il y a pas mal d'avantages aussi de s'installer ici. Beaucoup de professionnels de santé sont installés ici, mais pas que. Il y a beaucoup aussi d'entreprises, un peu de tout type d'entreprises qui viennent s'installer. Donc ça crée une vraie dynamique, autant au niveau travail que pour les habitations, les commerces, etc. L'accès est vraiment super, on a les autoroutes qui se desservent vraiment tout près. Il y a des arrêts de bus avec des correspondances de bus, etc. Donc les gens peuvent venir très facilement. Les étudiants aussi se déplacent très facilement ici. Donc ouais, c'est vraiment un endroit très stratégique et les gens aiment beaucoup venir ici parce qu'ils ont la facilité de venir ici. Si c'était à refaire, je me réinstallerais ici. Il n'y a que du plus pour moi et donc je suis très bien ici. Quipmon, c'est une entreprise qui travaille dans le secteur de la recherche pharmaceutique. C'est une entreprise assez récente, hein, qui a 12 ans, mais qui a connu une croissance très rapide. On est parti de 3 personnes et aujourd'hui, on est 140 personnes. L'entreprise a été créée sur le plateau. Et en fait, on a trouvé un terrain à acheter pour construire qui fait quand même 1,7 hectare. Aller trouver 17 000 m² de terrain aux portes de Nancy et avec une ligne de bus qui dessert, aujourd'hui, c'est introuvable ailleurs que sur le quartier. On voit la crise énergétique. Bon, on a des bâtiments qui sont tous récents, qui sont performants sur le plan énergétique. Et puis, par ailleurs, il y a plein d'autres avantages qu'on ne trouve pas ailleurs. La proximité avec la ville, bien sûr, mais aussi beaucoup d'espaces verts. En termes de mobilité, c'est super pour les collaborateurs parce qu'en fait, ils peuvent venir en voiture, ils peuvent venir en bus, ils peuvent venir en vélo, ils peuvent même venir à pied s'ils veulent. Pour moi, c'est vraiment le quartier idéal. On est une entreprise du plateau et vraiment fier de l'être avec cette identité en nous. Je
suis en couple donc, et on a donc, une fille, elle a 5 ans. J'habite sur le quartier depuis moins d'un an. C'est une petite copropriété de maison, mais chacun a sa propre maison, son propre emplacement parking. J'habite dans une maison mitoyenne, avec jardin, terrasse. L'accès à l'autoroute est tout près. On a beaucoup de commerces à proximité. Le cadre est très agréable. C'est un quartier qui est en plein développement et qui a l'avantage d'appartenir à la commune de Nancy. Je suis même pas à 10 minutes de la place Stanislas. Je me sens en sécurité, je me sens bien, bien entourée. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait le choix d'acheter sur le plateau. C'est un très bon investissement pour moi. Je pense que ma maison va prendre de la valeur avec le temps. Je ne veux pas déménager. Pour l'instant, je suis très bien là.